Hey hey hey! Salut tout le monde et bienvenue pour cette petite vidéo des résultats de vos votes pour le Ugly to Beauty Legacy Challenge. Alors, je vous avoue que j'ai un peu oublié de regarder à 20h. Il n'est pas 20h, il est 23h. Bon, ça, à la limite, on s'en fout. Donc, s'il y en a eu des retardataires, eh ben tant mieux pour vous. Je ne sais pas du tout la tendance. Je l'ai su genre 24 heures après. On m'a fait un peu spoiler, mais depuis, je ne sais pas du tout la tendance vers qui ça va pencher pour l'héritier. Donc on va le savoir tout de suite. Si donc sur la page du vote, donc vous aviez le choix entre Frida, Garance, Heidi, Harold et Igor. Moi, je n'ai pas voté, comme d'habitude. Après, je peux toujours donner mon point. Ensuite, au cas où il y aurait une égalité, oh, ben ça m'étonnerait. Voilà, je ne sais pas. Donc je vais juste cliquer sur voir les résultats. Alors, waouh! Waouh! Franchement, alors, merci. Oh, ah ouais, mais c'est... Vous êtes fous. 43 votes! Mais c'est hallucinant! J'adore, punaise. Vous avez imaginé que la première vidéo au premier vote... Il n'y avait que 3 votes. Et quand même, en une génération, j'ai gagné 40 votes. Hein, donc, le prochaine génération, il y en aura combien, hein? Vous prenez pari. Cette vidéo, vous prenez les paris. Combien de votes pour la prochaine génération? Allez. Et du coup, bah là, celle qui gagne, quoi, de haut la main devant tout le monde, c'est Heidi, suivie de Harold et Frida. Donc, comme quoi, il y avait une égalité. Mais effectivement, moi, entre Harold et Frida, c'était un peu mes préférés. Qu'est-ce que j'aurais voté? Je pense que j'aurais voté Harold, parce qu'un garçon, un peu pour changer de temps en temps. Et puis Garance a quand même eu un vote, donc c'est pas mal, même si j'avoue, elle me fait peur. Et Igor, un vote. Et ben, en tout cas, franchement, vous êtes extraordinaire. Merci énormément pour ce nombre de votes. C'est l'alu total. Vraiment. Passer de 3 à 43, c'est exponentiel. Et franchement, merci beaucoup pour avoir pris le temps de voter, pour prendre le temps aussi de regarder le let's play. J'espère qu'il vous plaira encore par la suite. N'hésitez vraiment pas à me laisser des messages sur à peu près tout et compagnie. Et puis, ben, ça va être parti du coup. Heidi, va falloir lui trouver un mec ou peut-être une fille. Qui sait, un chéri ou une chérie. Et puis, ben, ça va être sympa. Merci beaucoup en tout cas pour tout ça. Je vous fais des très gros bisous et je vous retrouve du coup dès mardi. Oui, c'est ça, mardi, pour le prochain épisode du Ugly to Beauty Legacy Challenge. Allez, salut!